YouTube, je retrouve, on part sur un assaut de la base militaire, il semblerait, qui serait attaqué après par des indeps ou par on ne sait quoi, on nous a signalé, donc on est la première patrouille à s'y rendre. On va se dépêcher d'y aller. On est avec PAM 2, on est 2 heures plus tard en gros. La première partie que vous avez vue, je retrouve dès qu'on y est tout de suite. Ils sont devant. Ils sont tranquilles en plus. Vas-y, vas-y. Bonjour. Oh, aïe aïe aïe. Ils sont où? Attends, j'appelle moi. Un ils sont dedans. Utilisateur s'est déconnecté. Ah, ils sont là-dedans. Y a l'SP qui arrive aussi parce qu'on l'a battu directement. Ah, d'accord, c'est bon. Parce que rentrer dans une base militaire, c'est trop interdit. Déjà 160 de pas mal. De quoi? Vous pouvez pas désactiver l'alarme, c'est fini. Non, on peut pas pour le moment. Pour ce qui est de l'individu d'un base militaire, il a été abattu par marine base, donc du coup, on attend les SP pour l'interpellation. Wouah, ça fait mal aux oreilles. Marine base m'a fait. Putain, la vache. Si, je vous laisse vous occuper de ce. Aïe aïe aïe. Faites attention sur parce que 10, je pense qu'on peut tuer. Si ça peut le confirmer, apparemment il y aurait un bateau aussi qui tourne à côté. Donc tu vois, attention, t'as poil. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. C'est quoi ça? C'est quoi? Ça rigole zéro l'armée ici. Hein. Ah, vous pouvez pas couper à l'armée. Quoi? Pas moins d'être à 260. Transmettez. J'espère que c'était pas un candidat à la PMA qui a été abattu. Bah, je pense pas, je pense qu'ils auraient pris leur candidat quand même. Pour tous les effectifs de commandant Corral. Écoute-tire. Vous quadrillez tout le secteur, Yankee, vous quadrillez les élans tout la base. Vous confirmez ces victoires d'approche négatif. Ça va tirer. Vous me faites tirer sommation. Ah, mais c'est. Je confirme la dans moi. Mais les SP ils sont bêtes. Et ça. Y'a pas un bateau qui tourne autour normalement aussi. Ici, un bateau, on est en train de chercher. Sacha confirme que les tirs c'est SP. Là, les tirs, on a tiré, mais après, on n'a pas retiré depuis là. Ah ouais, ok. Là, on est en train de vérifier tous les alentours. Là, tout de suite, c'était vous. Là, à l'instant là, non, c'est pas nous. Ah, d'accord. On est mort à tir. Donc, c'est vrai que c'est un bateau. Là, juste avant, si. Ah, si, y'a un coup de feu. On parle, j'entends rien sur la radio avec la sirène. Mais nous, on l'a dans la radio aussi, donc bon. Je confirme que si. Ah, il y a un coup de feu, je confirme. Encore, là, non, là. Mais, non, mais là, c'est nous qui faisons la suppression. Je suis d'accord. Ok. Bateau. Capitaine, merci de leur rush. Bon, YouTube, on arrive en pleine PMA de l'armée, donc en recrutement. Ne tirez pas sur l'hélico qui est dans la base, c'est ça, gars. C'est Guy qui fait ça? Non, mais je préfère les préférés. Un utilisateur, c'est pas la blague. Je pense que c'est le petit genre de la PMA qu'on pouvait somme de pas être attaqué. J'ai coup de feu là. Bien sûr que c'est vos collègues. Non, les gars, vous fusillez pas, il y a les gendarmes qui sont là pour lui. Ah, c'est le mec qui vous a arrêté. Ok, je crois que c'était le mec. Et il est où qu'on est venu chercher? Bah, ouais, c'est ça. Il est là-dedans, mais je sais pas ce qu'ils foutent les SP là. J'ai pris ça. Et je vous envoie les gendarmes sur vous. Bonjour, monsieur Jean-Marie, on rentre. C'est où? Celle d'après. Là-bas. Ah, d'accord. Merci de préciser. Oh, c'est extrêmement mal aux oreilles. Non, c'est mon ordinateur en soi. Arrête. Il est où? D'accord. Là? Ah, bah, non. Non, non, monsieur, vous restez là. Tasez. Maintenant vous arrêtez de bouger monsieur. Attends, avance pour sortir. Je peux même pas les scanter. Vraiment. Putain. Arrête de bouger. Rentre dans la pièce.
Et arrête de gueuler, vraiment, t'as pas compris encore. Bon, pour info, il s'est pris 3 balles de PAMAS, c'est une balle d'HK1. D'accord. Oh bah il a l'air d'aller très bien. T'inquiète, je le soigne à chaque fois. Le monsieur se prend des balles et il se met à courir, c'est bien. Pourquoi est-ce qu'il se plaint? Il va très bien le monsieur là. Putain. Incroyable. Bah on l'embarque, on le sent ou pas? Non mais attends, attendez, monsieur, voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Laurent, on va faire des lieutenant. Lieutenant, c'est pas moi qui l'ai soigné, lieutenant. Pardon, excusez-moi. Moi qui l'ai soigné. Pardon monsieur. Fais ce que t'as fait depuis que je l'ai soigné. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, c'est ça par pompier. Alors le monsieur, je lui ai mis une épinéphrine pour monter son pouls. Il était monté trop, du coup je lui ai remis une morphine. Monsieur a été pris sur entre deux, donc vu qu'il était pas coopérant, j'ai permis de lui mettre une balle dans la jambe. Négatif, transmettez s'il vous plaît. Mais là il a l'air bien. Marine basse si vous pouvez. Monsieur, comment dire, monsieur est très énervé et même trop énervé. D'accord, ok. Monsieur, vous m'entendez monsieur? Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous avez mal, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez venir avec moi, monsieur, s'il vous plaît? Affirmatif, ramenez-le directement. Vous parlez avec qui? Militaire. Qui va dire? Ouais, j'arrive. Une petite question. Monsieur, est-ce que au niveau du rassemblement, on a bien vu, il y avait tous vos collègues. Je vous ai placé en carte. Ouais, merci. Avec des mots, s'il vous plaît. Il y a peut-être un truc dans la bouche, je sais pas. Je sais pas, je ah, attendez. Ah, si, d'ailleurs, là, c'est bon. Ah, je vous dis. Mon agent sera privé, je les argent en bas du coup. Mais c'est comme les. Je vais ramener-le au niveau de PAM. J'ai du mal à respirer, monsieur. Il y a un truc dans la bouche, j'ai tué. 15 minutes. Ils m'ont tiré dessus. Qu'est-ce qu'il y a arrivé là? Pourquoi il nous fait une crise d'asthme? Écoutez-moi. Non, il avait les cordes vocales bouchées depuis tout à l'heure, donc là il panique un peu. Je reprends son air. Il faut flipper, mais pas de soucis. Est-ce que vous pourriez me dire où est-ce que vous avez mal, monsieur, s'il vous plaît? Partout. On mis au moins 15 à 30 balles. Ouais. Le bateau, vous l'avez chaud ou pas? Et vous pourriez. Écoute, me... tiens, c'est les centres de tir? Vous donnez une estimation entre 1 et 10, où est-ce qu'est votre douleur? 1 étant que. Je sais pas ce qui se passe en douleur fait. Insupportable. 9. D'accord, monsieur. Du coup, où gardez maintenant? Ouais, tu peux. Attends. Est-ce qu'on vous pensez qu'on peut amener un brancard ici? Ouais, ça doit être possible. Hein. Ça doit être possible. Un utilisateur. Oui, c'est possible, non. Ça marche, bah du coup, t'essayes et puis on voit. Ok. Du coup, monsieur, je vais vous aider à vous allonger, d'accord? Regardez, prenez ma main. Un utilisateur a rejoint votre channel. Un utilisateur est parti de votre channel. Faudrait juste que tu enlèves les sangles. Ah bah c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Ok, bon. Du coup, tu me l'emmènes en cellule. Ça marche, tu fais petit bilan. Ok. Fifi. Hop là. Vous lui mettez tarif. Hein. Ah ouais. Non, mais... Il a juste pénétré la base. Aidez-moi, monsieur Ogardi, aidez-moi. T'as insulté ou pas que... Oui. Un utilisateur a perdu la connexion. C'est votre problème. Chacun sa mère. Ouais, bah, un utilisateur s'est déconnecté. Dans une zone militaire. Delta sur ta side. Matlout encore en slip. On a plus rien depuis quelques minutes là. Mais je sais pas pourquoi ça me fait ça, j'ai retenu au CHU et pas de chance encore en slip. Vous pouvez se porter soutien à PAM 1 du coup qui lui a. Qui eux ont deux suffis arrêtés. Ils habitent Caporal Sandbuggy. Ils sont. Qu'on se pose là, enfin, bref. Bah, on a deux suspects. Poser les deux tireurs que vous avez. Comment? Depuis quand est-ce qu'on a deux suspects? On va choper, ils ont chopé et la puis vous, pire des cas, vous restez ah, là, ouais. Mais par contre, demandez à Manda si vous pouvez vous poser, pour éviter qu'ils vous abattent, on sait jamais. Ok. Mais ça a changé quoi, que je dépose le tireur? Pour venir aider les personnes de l'autre salle? Ouais, les filles, ouais, ils sont que deux, je crois. Non, les gars. Ah mais on a pas besoin, on a pas besoin. Parce qu'il y en a un qui est dans l'ambulance et l'autre qui est en voiture, donc y'a pas de soucis. Hein. Vous bougez pas, monsieur. Je bouge pas. Voilà. Celui qui a été interpellé à l'entrée? Je suis désolé. Non, pas à l'entrée. Ouais, à l'entrée côté plage. Donc, il y avait viseur. J'ai pare-balles.
Et voilà. Je suis désolé. J'ai eu pare-balles et nous, vu qu'on a eu l'alerte, notre Jean, il était à peu près à 10 mètres. Avant de rentrer, il a été coopératif. Hein. Excusez-moi, mais vous êtes le chef, c'est vous le subordonné? Monsieur Dallaire. C'est un gendarme. C'est un non, moi je suis gendarme, mais j'ai encore je peux vous dire, monsieur. Parce que non, mais en fait, je savais pas du tout que c'était une base militaire, moi, ce truc. Alors, je vous dis un truc très simple, d'accord. Là, ici, attends. C'est moi le plus gradé de l'armée, d'accord. Je vous dis un truc très simple. Bonsoir, enchanté. Bonsoir, enchanté. À l'entrée de la base, il y a pas des panneaux qui mettent que c'est une zone militarisée. Je suis pas rentré dans votre base, hein. J'étais sur une plage, moi. J'étais au bord de la plage. Sauf que ce que vous savez pas, c'est que la plage aussi nous appartient. Mais il y a pas de panneau, il y a rien qui dit que la plage vous appartient. Il y a des panneaux après, oui. Il y a des panneaux, mais vous n'y étiez pas encore, il y avait à peu près facile 20 à 30 mètres. Je vais vous expliquer vite fait, désolé de vous couper la parole, mais j'étais à Cegitiga, je vais sur la plage de Cegitiga, il y a un hélicoptère qui me tire dessus, donc du coup je continue, je me j'éteins mes feux et je me casse quoi, j'essaye de me casser le plus vite possible, et c'est là que j'ai vu un 4x4 de l'armée qui m'a arrêté, mais je voulais pas. Justement, c'est ce qu'il faut pas faire, c'est justement ce qu'il faut pas faire. Il me tire dessus, il y a un hélico qui me tire dessus. Et bah si, il vous tire dessus, c'est qu'il y a une bonne raison. Bah je sais pas qui c'était moi, il y a un hélico qui me tire dessus, qu'est-ce que je fais? C'est l'hélico qui est là, vous voyez, et c'est l'hélico là, c'est un... D'accord. Mais je peux pas savoir, vous me dites des choses que je peux pas savoir. Je savais pas que la plage elle était interdite, Ah bah non, c'est que là quand on sait pas, monsieur, on s'informe. Alors on s'informe, monsieur. Mais je m'informe et je viens à côté du. Puis de toute façon, déjà vous n'avez pas accédé par la plage en véhicule, c'est à pied. Je sais même plus. Déjà. On va commencer par ça déjà. Oui, ça je suis d'accord, il y a conduite en route là. Monsieur. Voilà, donc déjà normalement si j'étais avec le véhicule sur la route, on aurait vu les panneaux. Ouais, j'allais pas hyper vite, c'était juste. J'étais à côté. Non, mais c'est pas un problème d'aller vite ou pas, c'est un problème de. Si vous étiez sur la route avec votre véhicule et que vous étiez à pied sur la plage, vous auriez vu les panneaux. Ah, après le monsieur il était coopératif, hein, il s'arrête. Ah, mais je suis d'accord, mais là il n'y a pas de pitié là. C'est une intrusion en zone militarisée, il n'y a pas de pitié. Je suis pas rentré dans la zone. Je suis pas rentré dans votre zone. Écoutez, on verra ça avec le supérieur, d'accord. Non, mais on va voir ça au niveau. Mais si monsieur est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais je suis là parce que j'ai. Oui, j'avais des choses que je savais pas dans mon véhicule. D'accord, que vous saviez pas. Bon, ça par contre, monsieur, c'est difficile. J'allais pas attaquer votre base. Vous croyez que j'allais faire quoi avec ce que j'avais dans mon véhicule? Bon, du coup, vous avez retrouvé quoi dans son véhicule? Un gilet pare-balles et. Un gilet pare-balles et un accessoire. RCO. D'accord, RCO et c'est tout? Ouais. Ok, pas d'armes? Non, négatif. Non, j'ai pas d'armes, moi j'en ai pas. D'accord. On va vous ramener avec nous, du coup, monsieur. On va vous le laisser, hein. Ouais, merci. Bonjour, caporal chef. Je suis désolé, je suis pas. Vous allez me détruire mon véhicule. Au moment vous... on va voir ça. On tout seul affecté. Je vais un petit peu plus loin. Du genre sur privé, est-ce que vous pouvez venir faire la déclaration de garde à vue? Je suis en garde à vue. Vous avez... ouais, alors pas à l'heure actuelle, vous allez être dans quelques instants. Attention à la tête. Voilà. Je vais vous ramener au premier bureau. Oh, le monde qu'il y a! C'est normal, c'est le recrutement. Oh putain, mais c'est pour ça! Du coup, on va décrocher. Si vous pouvez faire la garde à vue, mon adjoint. À voir, quand je reviens. Suivi, nous récupérera juste le capitaine. J'ai aussi un second classe dans la. Pénétration dans une zone militaire. La seconde classe, il n'y a pas d'histoire. À la brigade. Non, il y a une erreur dans votre garde à vue là. Non. Je préfère vous le dire maintenant. Non, mais je suis pas rentré dans votre zone militaire, le militaire l'a dit. Je suis sorti, je vous explique juste, je suis sorti de Cegitiga. J'étais sur la plage de Cegitiga et il y a un hélicoptère qui m'a tiré dessus. À partir de ce moment-là, Mais lui, pourquoi est-ce qu'on l'a en garde à vue? Parce que le. Non, parce qu'il avait un gilet pare-balles et qu'il a conduit en route. Ok, donc je change le motif. Intrusion, détention d'objets illégaux. Voilà, d'accord. Bon, on y va, mon adjoint? Ah non, faut escorter les pompiers. Un utilisateur. Mon véhicule, il va aller où? Il va faire quoi? On verra si une fois en garde à vue. Attention à la tête. Ouais, pour les pompiers, on envoie une équipe. Hein. Un utilisateur a rejoint votre. Ouais, ça va être mieux. Parce qu'ils vont aller aussi à la chute, nous on va aller à la brigade. Vu qu'on a un délai réduit. Il reste plus que 29 minutes là. Un utilisateur a rejoint votre channel. Je peux reprolonger de 30 minutes de toute façon. Okay. Oh, s'il vous plaît. Delta de Sai. Transmettez.
de l'intention de se poser compagnie de l'or. Oui. Ils vont à quel CHU par contre les pompiers? Je saurais pas te dire. Je pense qu'ils vont aller au plus proche, hein, donc celui de Segitiga. Ah, je vais leur demander à quel CHU ils vont et après je vais envoyer un équipage. Je vais demander à deux. J'espère, tu peux voir s'il vous plaît. Ah, si, pardon, monsieur. Pardon, t'envoies un autre équipage. Si ils vont à Segitiga, c'est bon. On récupérera. Ah, vous avez dit comme tu veux? Vous avez dit comme tu veux? Ouais, c'est vrai. J'ai soif, je vais. On va faire descendre. Je commence à avoir soif là. Je vais devoir retourner pour que je leur tire la menotte. Un utilisateur a rejoint votre. Ouais, bon, mais c'est Segitiga. Très bon. Du coup, monsieur le gendarme. Ouais, du un coup, utilisateur bah, est parti de votre channel. Je bouge pas. Ça marche. Ah, allez, en véhicule, les pompiers portent, on les suit. Non, mais attendez, qu'on disait. Parce que moi j'avais du souci de cerveau. On... Un utilisateur est parti de votre channel. Hop! Mmh. Cardo. Il y a une 5 place ou moins ça là? Ouais, votre channel. Oh, oui. 5 de Delta 260. En ce moment. Du coup, votre décision, l'état? Je reste en 5, cependant, du coup, vous devrez. Ils font quoi les je pense qu'ils font le bilan. Ah, les militaires, ouais, ils font. Ouais. Mais t'es sur... Ah, c'était le capitaine qui avait disparu? Oui. Suis. Truc négatif, ça va être une fin de service. Micro désactivé. YouTube, j'en trouve dès qu'on est arrivé à la joie, moi. Micro activé. Je vois tout le monde en problème là, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'ils font? Non, mais cherche pas les pompiers. SAV02 avec le. Ah bah non, pas moins de Delta 2. Faut suivre le SAV. Ouais, suivre le SAV, laisse tomber lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh les champions, je te jure. Ouais, les pompiers. En fin de service pour me charger. Peut-être sortir à droite. La première fois que le capitaine est revenu, il est accompagné et vous avez également le top avec Kirk. Affiche, j'attends juste une réponse de PAM 1. Éventuellement, si ça les intéresse de me répondre. 5, vous me recevez sur 64? Non, sans plus. Pas d'autre moyen. Delta Zer ne fait aucun dégât. 5, vous avez pas d'autre moyen. Ah, c'est quand même. Et alors? L'ultime vient d'arriver, c'est un peu le bordel. On va descendre les deux suspects. Même cardiaque, ça ne risque absolument rien. Les seuls qui risquent, je ne dirais pas. C'est qui risque? Attention à la tête, monsieur. Attention. De quoi? Parfait, bon je laisse monsieur. Non, monsieur, commencez pas à courir aussi. Ouais, je peux... Non, vous inquiétez pas. Je peux vous suivre, hein, je suis pas méchant, j'ai pas d'armes. Vous prenez la cellule du bas, mon légion? On n'a pas confiance en vous, monsieur. Ah, je vais partir en haut, quoi. Allez-y, okay, allez-y, okay. Comme ça vous verrez qui je suis. Hop, je ferme juste ça. Si ça va bien se fermer. Enfin, monsieur, non, venez avec moi. Restez par là. Ah bon? Allez-y, rentrez tout droit. C'est que les portes là. Vous êtes OPJ vous? Non, négatif, on va attendre mon collègue. Pénétration dans un site. Vous allez se rentrer là-dedans, monsieur? Mon collègue va arriver. Est-ce que vous avez compris que c'était pas une chance que j'ai fait ça? Transmettez. Le problème, vous avez pas y rentrer si c'est pas toi. Noir, la moitié de nouveau. La station sérieuse. Un utilisateur a rejoint votre channel. Ok, donc monsieur, il est actuellement 6h29, vous êtes placé en garde du plan d'intuition. Pénétration sur un site militaire, par son autorisation préalable. Vous avez le droit de boire et manger, vous avez le droit de temps de repos. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous, vous avez le droit à une assistance médicale si votre état l'exige. Est-ce que vous avez bien compris vos droits? Non. Quelle raison vous n'avez pas compris vos droits, monsieur? Que je suis pas rentré sans raison préalable. J'ai dit sans autorisation déjà. Oui, sans autorisation préalable. J'ai. Eh bah. J'avais mon problème avec mon jet. Dites-moi le grade et le nom du militaire qui vous a autorisé. Ils m'ont pas dit mon nom. Mon adjoint? Ouais. Est-ce que vous pouvez aller officialiser la garde à vue, s'il vous plaît? Ouais, j'arrive.
Ricardo, j'arrive, tu le fouilles, vérifie pièce d'identité. J'ai une AK-47 sur moi, quoi? Tu fais, tu regardes Interpol et tout ce qui va avec et tu calcules la main. J'ai rien fait. Monsieur, j'ai rien fait. On va donc chercher dans la rive, parce qu'ici donc on a le système d'OPG et compagnie. Attendez. Il en a la cellule habituelle. Ok. Bonjour monsieur. C'est déjà vu, non? Ah, donc monsieur, il est actuellement à 6h43. Chef Snow, indisponible pour un utilisateur est parti de votre channel. Vous avez le droit de garder le silence, si vous avez renoncé tout ce que vous direz pour un de site. Attends, je vais le transmettez. Ok, Delta 102. Le brigadier du chef Castan. Vous avez le droit de boire et manger, vous avez le droit. Et l'enseigné à une assistance médicale si besoin d'exil. On sait que le second classe Dixon qui vient de prendre son service. Oui. Je voulais savoir si je pouvais passer avant l'autre à côté là ou pas. Oui, passer en même temps. Prise de service du second place Robert Dixon. Ouais, je voulais soumettre contre le mur, monsieur, s'il vous plaît. Et vous retournez. Ouais, je connais pas tout. Alors, monsieur, j'ai procédé à une petite fouille de votre personne. Allez-y. J'espère que j'ai rien, alors moi j'ai rien sur moi. Ouais, y'a pas de soucis a priori. Tout ça petit, y'a pas de soucis, parfait. Donc, monsieur, tac. Est-ce que vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît, ainsi dans votre sac à dos, un permis de conduire. Ah non, dans ma voiture. Ah non, non, attendez, regardez sur moi, je sais pas. Je sais, regardez dans votre sac. Ah, non, c'est bon, je l'ai au fond de votre sac. Attendez, là, je vais vous dire. Ouais, ah non, allez, non, il n'y a pas votre permis. Transmettez. Non, je croyais. Non, du coup, j'ai informé que pas mal. Attendez, bah au pire, je vais chercher le scanner d'empreinte digitale. Je pas pris, dans ma voiture, j'ai le permis de conduire et carte d'identité. Bah, je vais aller prendre le scanner de truc digital, c'est le plus simple. Bah, allez-y. Hop. Mise en service de Delta 260 composé de deux effectifs. Je vais vous entendre, je vais vérifier vos doigts. Mettez votre main de manière patte. Attendez, je suis juste parce que un utilisateur est parti de votre channel. C'est bon. Parfait. Mettez votre main de manière plate, s'il vous plaît. A perdu la connexion. Voilà, merci. Je vais noter. Ouais. Non, mais vos poignets sont peut-être restreints, mais pas vos mains. Mettez de manière plate. Oui, c'est bon, c'est fait. Parfait, hop, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Tac, ouais. Ça charge. Oula, non, ça c'est un tir de taser, faut vous inquiéter. Non, vous inquiétez pas, c'est un tir de taser. Ok, monsieur Pignon François. Ok, c'est ça. C'est ça, parfait. Donc, vous êtes détenteur d'un permis de conduire, d'un permis moto, d'un VSR, d'un permis mato. Il y a un permis poids lourd, ok, vous avez la plupart des. Ouais, il y a un permis aviation, bah, tout est bon. Parfait, monsieur. Tac, tac, tac. Est-ce que vous êtes détenteur d'un quelconque permis de port d'armes? J'ai une licence indétectable, là. Je sais pas laquelle c'est. J'ai une licence indétectable. Un utilisateur a rejoint votre channel. Ouais. Comment ça, l'indétectable, monsieur? La licence dépanneur. D'accord, ok, non mais je parle d'un un port d'armes, monsieur. Ah, port d'armes, non, j'ai pas de port d'armes. Enfin, je crois pas. Si. Non, que... j'ai pas besoin, j'ai pas d'armes. Bah oui, mais c'est parce que par rapport au holster, c'est pour ça que je trouve ça bizarre, bref. C'est pas grave. Ah, le holster, non. D'accord, bon, dans tous les cas, monsieur, donc, les faits qui vous sont reprochés, monsieur, sont les suivants. Donc, je le répète, conduite en dehors du réseau routier et accompagné donc d'un. Comment ça s'appelle ? D'une. Pardon. J'en perds mes mots. Matériel illégal. Exactement, voilà, merci. Donc, bon, vous êtes très coopératif, y a pas de souci. Alors, conduite en dehors des routes. En dehors de la chaussée, c'est une amende de 3000 euros. 5000, ah, 3000, ok. Et au niveau du code pénal, donc, possession. Attendez, parce que ça dépend quelle possession aussi. Hein. Si je possède une arme, c'est pas pareil que j'ai des pare-balles, non ? Non, c'est une tenue illégale, monsieur. Donc. C'est bon. Ok, donc c'est une peine de 10 ans de réclusion accompagnée de 15 000 euros d'amende. Ça nous fait. Oui, c'est la loi, monsieur. Ah, je vous en supplie, non. Ah, mais j'y suis pour rien, monsieur, c'est la loi. Ah, c'est une grosse blague. Non, je suis désolé, monsieur. Ah non, c'est une grosse blague, là. J'ai contacté les ADP. 10 ans mais c'est ADP de gendarmerie.
Putain, la vie. ADP, transmettez. Oui, bonjour monsieur, j'aurais besoin d'un transport s'il vous plaît au niveau de la gendarmerie sud, celle de Seguitiga s'il vous plaît pour une peine de 10 ans d'inclusion. Très bien, pas de soucis, c'est un homme connu des services de police. Toujours ça, c'est un terroriste ou pas? Affirmatif. Un utilisateur. Pour savoir si on ramène le bus ou pas. J'ai un gilet jaune dans ma voiture. Bah, c'est quelqu'un qui est. C'est quelqu'un qui est du moins possédé du matériel indépendantiste. Très bien, nous ramenons un bus. Je suis. Oui, j'arrive en bus. Bon, alors. Donc, du coup, monsieur, procédez à votre amendement à hauteur de 18 000 euros. Vous souhaitez payer par carte bancaire ou par chèque? Je sais pas. Bah, vous me demandez comment je vais. Oui, je comment est-ce que vous voulez payer? Je sais pas. Pourquoi je peux payer par carte bancaire? Oui. Mais arrêtez de tirer! Non, c'est des tasers, regardez pas. Oui. Oui, c'est. Vous pouvez payer par carte bancaire, celui-là. Ah bon, je peux payer par carte bancaire? Ouais, bah, je par carte. Bah, de toute façon, j'ai pas l'argent sur moi, donc je sais pas. Bah oui, mais le principe d'une carte bancaire, c'est que vous avez pas besoin d'avoir l'argent sur vous, monsieur. Oui, voilà, attendez, je. Est-ce que vous avez votre carte bancaire sur vous? Parce que moi, enfin, je crois pas que je l'ai trouvé. Sur moi. Je crois pas, je vais vous noter deux minutes. Pas de geste brusque. Allez-y. Pas de geste brusque, je peux vous taper. Ah, mais vous savez, non, c'est jamais. Ouais, je peux payer, ouais. Parfait. Non, mais sauf, ce qui compte, c'est l'argent que vous avez en banque, hein, pas l'argent que vous avez sur vous. Tenez, je vous le donne. Non, pas sur vous, monsieur, pas sur vous. C'est pas comme ça que ça va. Attendez. Je vais vous présenter l'amende. Voilà, et je vous laisse signer en bas à gauche. T'as mis 18 000. Un utilisateur est parti. Ouais, j'ai mis 2 pour l'instant. 18 000, c'est la moitié de mon forme de diamant. Parfait, monsieur. Tout est ok. Je vais laisser vous retourner, s'il vous plaît. Rejoins votre channel. Je vais vous rentraver. Parfait. Ok, vous allez attendre 2 minutes ici le temps que les agents pénitentiaires. Vous inquiétez pas, moi, je vais aller en taule. Ah oui, monsieur, je suis désolé, c'est le code pénal qui le dit, je peux rien faire. Mais non, mais le code pénal, putain, mais j'ai. Je vais pas ça, je vérifie. J'ai tout fait. Ah, mais attendez. Alors, vous êtes monsieur François Pignon, on est d'accord? Oui. D'accord. Je vérifie au passage que vous êtes pas recherché par Interpol. Bah, allez-y, mais j'ai pas de problème avec la gendarmerie, putain, c'est la. Mais monsieur, moi je suis désolé pour vous, monsieur, mais c'est pas moi qui fixe les lois. C'est qui fixe les règles, mais c'est pas moi qui fixe les lois. Après, ça dépend ce que j'ai. Attendez, c'est quoi ce que vous avez? C'est pour une tenue. Port d'équipement illégal. Il est où mon véhicule? Je vais vous demander ça, je sais pas trop. Sur privé, le véhicule du suspect, c'est celui dont je m'occupe, vous savez où il est son véhicule? Pas de réponse. De toute façon, je pense qu'il a dû être retiré par les dépanneurs ou sinon mis en fourrière. J'en peux plus. Mais vous pouvez pas, en tant que OPJ, baisser la sentence? Y a pas, je sais pas, c'est la peine maximale, 10 ans. Monsieur, on n'est pas marchand de tapis, monsieur. C'est pas une histoire de on baisse ou on baisse je pas. Sais, hein. Vous me le. Non, mais c'est bon ça. Mais c'est la loi, c'est la loi. Attendez, c'est quoi le code pénal? C'est à propos de quoi que je revois la loi? C'est à port d'une tenue illégale, gilet pare-balles, en l'occurrence. Mais je l'ai pas le port, je l'ai pas porté la tenue. Bah, vous l'aviez quand même, la détention et le port, c'est la même chose. Ah non, c'est pas du tout la même chose. Ah si, monsieur. Possession. Bon, monsieur, ouais. on va pas passer la nuit s'il vous plaît, mais que les ADP arrivent, ils n'ont pas le temps d'aller chercher. Port d'une tenue illégale. Oui, je vous laisse suivre, monsieur, les ADP sont là. Bah, du temps, on fait l'escorte ADP ou pas? C'est combien de temps, 10 ans là? C'est 10 ans? Ouais, non, mais 10 ans, c'est pas 10 ans, c'est. En temps continental, c'est 10 minutes. Oh la vie de ma mère. Et je vais perdre quoi là en prison là? Bah, rien. Si, je vais perdre un truc, c'est sûr. On va s'amuser, hein. Oh, sérieusement quoi, 10 ans. Allez-y. 10 ans. Monsieur, c'est pas moi qui fixe le code pénal. Oui, non, mais je sais pas, vous avez bien des marges, 10 ans c'est le maximum, vous pouvez pas mettre 5 ans. Non, monsieur, c'est pas comme ça que ça marche. Ah, ça m'énerve. C'est nous, dans nos règles, monsieur, de la gendarmerie, on est strictement interdit de faire des rabais sur les agents. Mais on va se calmer, c'est bon. Non, mais il est énervé de devoir faire 10 ans de prison. Bonjour, messieurs. Non, mais il a payé, hein, c'est juste que voilà. Bah oui, mais il est capable de faire des bêtises, tout simplement. Monsieur, vous étiez sur votre plage, c'est déjà une bêtise. YouTube, on va se laisser là-dessus, ça va être la fin de la vidéo assez intense, je vais essayer de vous cut ça, peut-être que je ferai ça en 2 épisodes, je sais pas, parce que c'était assez long, il y a eu plein de choses différentes qui sont très intéressantes à vous montrer. Bref, on verra tout ça. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous êtes à liker et à vous abonner. Moi, je vous retrouve à plus tard pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se laisse là-dessus. Si vous voulez le savoir, toutes les infos pour le moment sont en description. Voilà. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, comme d'hab, à vous abonner si vous voulez avoir plus de vidéos. Je vous dis à plus tard, c'est Jackie Bone, kiss.